28, 19, 20. Il dit, quand il pleut fort, allez, and teach all nations, faites de toutes les nations, baptisez them, des disciples les baptisant, in the name of the Father, au nom du Père, and the Son, du Fils, and the Holy Ghost, et du Saint-Esprit. Teaching them to observe all things. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Whatsoever I commanded you. Tout ce que je vous ai prescrit. And lo, et voici, I am with you always. Je suis avec vous tous les jours. Even to the end of the world. Jusqu'à la fin du monde. Jesus instructed his disciples. Jésus a instruit ses disciples. To evangelize. Il leur a demandé d'évangéliser. That means to save sinners. Ça veut dire pour sauver les pécheurs. And to make disciples. Et pour faire des disciples. When someone is saved, quand quelqu'un est sauvé, or born again, ou qu'il est né de nouveau, he can be called to become a disciple. Celui-là ou celle-là devient un disciple. And it means that they have to be taught how to become a disciple. Et cela veut dire qu'on doit leur enseigner comment devenir un disciple. Jesus said the harvest is plentiful. Jésus a dit que la moisson est grande. The harvest are few. Mais il y a peu de fruits. Christians have much evangelistic work to do. Et les chrétiens ont beaucoup de travail à faire au niveau de l'évangélisation. The harvest is plentiful, Matthew 9:37. La moisson est grande dans Matthieu 9:37. But the workers are few. Mais il y a peu de fruits. Are you a worker for Christ? Est-ce que tu es un ouvrier pour Christ? Are you evangelizing for Christ? Est-ce que tu évangélises pour Christ? Only you know the answer. Vous seul connaissez la réponse. We will seek to discuss. Donc nous allons chercher à discuter. What? Is evangelism autour de ce qu'est l'évangélisation? Who is evangelism? Qui évangélise? Why do we evangelize? Pourquoi le faisons-nous? Who do we evangelize? Qui cherchons-nous à évangéliser? And methods and practical evangelism. Et quelles sont les méthodes de la pratique de l'évangélisation? Why? Pourquoi? In studying the evangelistic activities of the early church, la Bible nous dit
What shall it profit a man? Qu'est-ce qui va profiter à un homme? Or a woman? Ou à une femme? To gain this whole world? De gagner le monde entier? And lose his soul? Et de perdre son âme? You can have everything. Vous pouvez tout avoir. You can own money to eat. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. You can own toys. Vous pouvez, Paris peut vous appartenir. You can own the United States. Vous pouvez posséder les États-Unis. But if you lose your soul, mais si vous perdez votre âme, it's profit nothing. Vous n'avez aucun profit. So that's why evangelism is so important. C'est pourquoi l'évangélisation est aussi importante. Evangelisation. Evangelisation is proclaiming the good news, the kingdom of God. L'évangélisation, c'est proclamer la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu enters our reality to Jesus Christ. C'est mettre notre réalité à travers Jésus-Christ. Evangelism is joyfully proclaiming. L'évangélisation se proclame joyeusement. The good news that the King of Kings has been born. La bonne nouvelle que le roi des rois est né. Evangelism is. L'évangélisation c'est. Jesus has defeated the enemy Satan. Jésus a vaincu l'ennemi Satan. And set us free. Our sins and bondage. Et il nous a libérés de l'esclavage de nos péchés. Evangelism is. L'évangélisation c'est. Good news that will last forever. La bonne nouvelle qui va durer pour toujours. Evangelism is sharing the good news that the eternal salvation. L'évangélisation, c'est partager la bonne nouvelle que le salut éternel. Se trouve simplement en acceptant Jésus-Christ. En tant que Seigneur et Sauveur de notre vie. L'évangélisation n'est pas difficile. It's not difficult. Il n'est pas difficile. If you have been saved, si vous avez été sauvé, you have a testimony. Si vous êtes sauvé, vous avez un témoignage. One day you accepted Jesus in your life. Un jour, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. As your own personal Savior. En tant que sauveur personnel. And evangelism is telling people about God Jesus. Et donc l'évangélisation consiste à parler au nom de Saint-Jésus-là, who came into your life as Savior. Qui est venu dans votre vie en tant que sauveur. Acte 8. Chapitre 8. Service in verses 4 and 5. Nous montre dans les versets 4 et 5. Il parle aux gens en Samarie de Jésus-Christ. When you evangelize, you talk about Jesus. Quand vous évangélisez, vous parlez de Jésus. And then the Holy Spirit. Et donc le Saint-Esprit. Not you, not me. Pas vous, pas moi. But the Holy Spirit, c'est le Saint-Esprit, will call God's Word, va permettre que la parole de Dieu, through you, à travers vous, to work miracles, puisse faire des miracles, healing the sick, faire guérir les malades, raising the dead, ressusciter les morts, causing for us to walk again, il va permettre à ceux qui ne marchent pas de marcher de nouveau. C'est ce que dit la Bible. And that's what happened in Acts chapter 8. Et c'est ce qui se produit dans Actes chapitre 8. Verset 6 au verset 8. Donc lisez-le.
We will not have time to go through all of this in detail. Nous n'aurons pas le temps de partager tous les détails. But you will have time to read it on your own. Mais vous aurez le temps pour le lire de vous-même. Evangelism is not. L'évangélisation, ce n'est pas. Descending Christianity. Ce n'est pas défendre la chrétienté. It is not apologetic. Ce n'est pas apologétique. What is your attitude? Et je vais le répéter. Evangelism is not. L'évangélisation, ce n'est pas. Apologetic. Evangelism is not. L'évangélisation n'est pas polémique. Discussion and defending church matters. This denomination is better than another denomination. Qui est de défendre les doctrines, de défendre les églises, quelle dénomination il n'y a qu'une autre. That's not evangelism. Ce n'est pas l'évangélisation. Vous n'allez pas là pour pouvoir coordonner avec qui que vous croyez avec qui que ce soit. Vous allez là-bas pour pouvoir présenter Jésus-Christ. Et la l'évangélisation, ce n'est pas une question de philosophie non plus. Et vous n'allez pas là-bas pour pouvoir prouver à quel point vous étiez sur le meilleur, à quel point vous êtes intelligent. Pour voir à quel point vous êtes intelligent. Vous êtes éduqué. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est de dire que Jésus-Christ est sorti des cieux. Il a vécu sur cette terre en faisant la volonté de Dieu. Il est mort sur la croix. Il a été enterré. Et au troisième jour, il est ressuscité. Et maintenant, il vit dans les cieux. Intercédant pour vous et pour moi. Donc ce n'est pas à votre sujet ni à mon sujet. Ce n'est pas à quel point vous êtes grand. Et ce n'est pas à quel point je suis grand. C'est parce que Jésus-Christ est à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc de l'évangélisation. There are two points to the top one. Il y a deux points que nous pouvons regarder. The world has two types of people. Donc, dans le monde, il y a deux types de personnes. Either you are saved, soit vous êtes sauvé, or you are saved. Ou vous n'êtes pas sauvé. From God's point of view, du point de vue de Dieu, it is not complicated. Ce n'est pas compliqué. Nous le rendons compliqué. Because we talk about the rich man, the poor man, the white man, the black man, the Indian man, we make it complicated. Nous le rendons compliqué parce qu'on parle du riche, du pauvre, du blanc ou du noir. Nous le rendons compliqué. We make it complicated. Nous le rendons compliqué. Where you live. Là où vous vivez. How much money you have. Combien d'argent vous possédez. Who is your family member. Qui fait partie de votre famille. Who is your property. Nous compliquons les choses. From God's point of view. Mais du point de vue de Dieu. Either you are lost. Ou soit vous êtes perdu. Or you are saved. Ou soit vous êtes sauvé. Quand nous sommes sauvés en tant que chrétiens, nous devons évangéliser. And tell the person who is not saved. Et dire à celui qui n'est pas sauvé. That Jesus is. Que Jésus vit. Donc les raisons justifiant l'évangélisation. Jesus commanded
that we evangelize. Since he nous a ordonné d'évangéliser. Matthew 28:19-20. L'évangélisation commence avec Dieu. Nous vivons dans le temps des temps qui sont remplis de certitude.
You listen to the news. Vous écoutez les nouvelles. And you bend. Et vous vous demandez. That is what the Father. Nobody will do. Ceci parce que Dieu, personne ne sait savoir. The world is confused. Le monde est dans la confusion. If the nuclear agreement avec les accords nucléaires. With Iran and America were free. Et avec l'Iran et l'Amérique qui est partie. The failed states from France. Et donc les pays majeurs en France. From England. D'Angleterre. From Germany. En Allemagne. All of them. Et pour tous. Try to persuade. Ils essaient de persuader. The American president. Le président américain. Not to come out of the agreement. De ne pas sortir de cet accord. Because it's right. Mais il va sortir. And everybody's wondering what's going to be the next move. Et tout le monde se demande ce qui va se passer après. Mais en tant que chrétien, nous savons. Nous savons. Who has tomorrow. Qui détient demain. And we know. Et nous savons. That you hold your hands. Ce qu'il a nommé. Therefore. Donc par conséquent, those who do not know him, ceux qui ne le connaissent pas, we have the obligation, nous avons l'obligation, to let them find Jesus Christ before it's too late, de leur permettre de trouver Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Evangelism is serious business. Et l'évangélisation est quelque chose de sérieux. Evangelism is a vital aspect of the church. Evangelization is an aspect of the church. That's it. Boom. Through evangelism, the church grows. Et donc, à travers l'évangélisation, l'église grandit. Through evangelism, the church influences and changes the community. À travers l'évangélisation, l'église va influencer et va changer la communauté. Chapter 17, verse 6 and following. This is the fact these Christians turn the world upside down. Acts 17, verse 6, à partir du verset 6, nous dit que ces chrétiens ont changé le monde. Are we in Martinique turning Martinique upside down for Jesus Christ? Est-ce que ici en Martinique, nous sommes en train de changer la Martinique et de la communauté pour Jésus-Christ? Thank you.
function in your own gifts, et si tu agis avec ton propre don, then God will bless you and bless the church. Et ton Dieu va te bénir et bénir l'église. Look at the footprints outside. Regardez l'église en vos futurs dehors. Now it's mango season. Mais c'est la saison des mangos en ce moment. Do you see the mango tree for the cherry? Est-ce que vous voyez un manqué à avoir des cerises? Or the apple tree? Ou bien le pommier? For the grapefruit? Qui a des fruits à pain? It don't happen that way. Ça ne se produit pas comme ça. So you have to know your gift. Donc tu dois connaître ton don. And function in your gift. Et fonctionner à bien avec ce don. When you do that, God will bless the church. Et quand tu fais cela, Dieu va bénir l'église. Ok. Okay, there's one here for the next question on that. Est-ce qu'on veut poser des questions? Or continue to the next one. Thank you.
thankfulness seeks to convert unbelief to believing in the gospel of Jesus Christ. That's all. But the evangelist says that he has a gospel of Jesus Christ. He has a gospel of Jesus Christ. Donc, quelle est la population visée que nous devons évangéliser? Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas chrétiens. Et savoir qui est vraiment important. Thank you.
Les adultes and teenagers, les adolescents,
on remise ce qu'on peut et nous rappelons la fondation. Evangelize the children. Et nous devions évangéliser les enfants. If you evangelize the children, then they become teenagers and adolescents. Si nous évangélisons les enfants, quand ils seront adolescents, ils seront chrétiens. And when they become adults, they will be already Christians. Et quand ils seront dans les jeunes adultes, ils seront encore plus tard des chrétiens. Mais on se focalise seulement sur les adultes. Parce que les adultes, ils ont des membres, ils se font des membres pour les églises. Parce que les grands, ils vont amener la dîme et les offrandes des adultes. Mais ils ne peuvent pas amener la dîme et les offrandes. Mais les enfants ont des âmes. Et les églises devraient réfléchir à cela sérieusement. Il y a une méthode différente. Et il y a un appel spécial. Tout le monde ne peut pas s'occuper des enfants. Not only do we have the child,
What about the young adults, the teenagers? Non, nous allons pas faire mal aux enfants, nous allons pas mettre les enfants adultes et les adolescents. Just like the children, exactement comme les enfants, the young adults, les jeunes adultes, who are now coming into the world as I look at these young, beautiful young ladies in here and around them. What about all these things I'm making great and 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 great spiritual fathers and mothers. In the best way, the parents and the more spiritual. Young parents. The mother. They can put them under the wing of what kids, what Paul did to Timothy. Qui peut vous placer sous les yeux de Paul comme un peu de la fin de Timothy. The Bible says. La Bible nous dit. That they also commit to Philemon, the king. Qu'on doit remettre à des hommes chrétiens. Which we have learned. Qu'on doit tous mettre ce qu'on a appris. And we'll talk about that Saturday night in discipleship. Et nous allons discuter de cela samedi soir dans la partie sur la vie des disciples. We are supposed to deal with the young people or the different schools. Donc nous sommes supposés être aujourd'hui avec les jeunes adultes qui sont des temps différents. There are so many things that young adults are going through. Il y a tellement de choses que les jeunes adultes traversent. But they need people who are compassionate. Donc ils ont besoin de gens qui ont la compassion. Who are willing to listen. Qui sont désireux d'écouter. And not to judge them. Et pas seulement de les juger. Listen. Écoutez. And pray with them. Et priez avec eux. And pray for them. Et priez pour eux. And the Lord will draw them into evangelism to the young adults. Et donc le Seigneur va les ramener dans la vie. Donc l'évangélisation pour les jeunes adultes est différente de l'évangélisation pour les enfants. Et c'est différent de l'évangélisation pour les plus grandes personnes. Parce qu'elles font face à des problèmes différents. And you have to be here. Et vous devez être là. The walk is not an easy walk. But the mind is just a minute possible. When you are serious about doing the work of Jesus Christ. When you are serious about doing the work of Jesus Christ. It's a call for your time. Ça va vous demander du temps. And sometimes, you don't want to give it. Et parfois, vous ne voulez pas le donner. And then, Jesus Christ to die for their sins.
tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. And they could not have gone further. Et ils ne pouvaient pas descendre plus bas que ça. But the grace of God could not go down and lift them up. Pour que la grâce de Dieu ne puisse pas nous atteindre et nous relever. And that's why evangelism is so important, even to the old folk. It could be your grandparents, your neighbor who's older, who just would want somebody to tell them about Jesus Christ. But sometimes it passed them along. Thank you.
Je pense que effectivement ils ont raté quelque chose.
Thank you.